C'était l'été, les grandes vacances. En quelle année? 1980 peut-être. Le vélo sur lequel j'avais appris à pédaler dans la grande allée du voisin était devenu trop petit pour moi. Et mes parents avaient pensé qu'il était temps d'avoir un vélo plus grand. Un vélo de grand. Je me souviens qu'il faisait très chaud dans le magasin quand on est entré. Il était là, il m'attendait. Du moins c'est ce que j'ai pensé. Bizarrement, comme dans les contes de fées, j'ai su tout de suite que c'était lui et pas un autre. Pourtant il me semblait si grand que je n'imaginais pas pouvoir toucher le sol en montant dessus. Il y avait un très joli guidon penché avec du grip noir enroulé autour de chaque poignet. Une dynamo pour la lumière. Un porte-bagages et des garde-boue. Et puis surtout plusieurs vitesses. Il était rouge, complètement rouge. Le même rouge que les Ferrari, a dit mon père à ce moment-là. J'ai pas compris un seul mot de ce qu'il racontait. De toute façon, je n'écoutais pas, je pouvais pas. J'étais face à lui et je n'en revenais pas de ce que j'avais devant moi. Sentiment de liberté, en tout cas celui dont je me souviens encore maintenant. On l'a rapporté à la maison, et quand mes parents ont estimé qu'ils pouvaient me faire suffisamment confiance, j'ai alors commencé mes promenades solitaires. C'était super d'avoir toujours le choix, et cette possibilité d'aller où je voulais m'a fait grandir d'un coup. Voir les copains, aller au cours de tennis, à la piscine découverte l'été, au village pour acheter le dernier pif gadget avec mon argent de poche, ou dépanner ma mère d'une course urgente chez l'épicier. Je me souviens très bien de cet été passé à pédaler, à tester les vitesses, à faire des courses contre moi-même dans les lignes droites, la tête baissée. C'était vraiment le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. J'étais certain à l'époque de ne jamais m'en séparer. Sur quelques photos jaunes.